Cela faisait longtemps qu'une cérémonie du 11 novembre n'avait pas attiré autant la foule à Terrasson. Après un dépôt de gerbes au monument aux morts, c'est une élève de première du lycée qui a lu au micro le message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre devant une foule venue en masse. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes, de 14-18, nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés ? Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre ? Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. À Terrasson, c'est en 1927 que fut inauguré ce monument aux morts. Dans son discours, le maire de Terrasson, Pierre Delmont, a rendu un vibrant hommage aux porte-drapeaux. Le porte-drapeau nous rappelle nos origines, notre histoire, nos valeurs. Tout ceci constituant une véritable identité ouverte au monde. C'est autour du porte-drapeau que nous devons ressentir l'esprit de la France, de notre beau et éternel pays. Le porte-drapeau est le passeur d'une mémoire dont chacune et chacun d'entre nous doit se sentir fort et généreux. Tous ici, enfants de Terrasson et de la Villedieu, avons en mémoire notre présence autour de l'instituteur, bravant parfois le frimas de l'automne, vieillissant et parcourant affectueusement et avec un immense respect les visages des survivants de la Grande Guerre. Et le maire de Terrasson a notamment cité le maréchal Foch. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Le maire a remis la médaille de chevalier de la Légion d'honneur à Kouider Hamdini, engagé dans l'armée française en Algérie. Il exerce depuis de nombreuses années avec fidélité la fonction de porte-drapeau. Un lâcher de 174 ballons bleu-blanc-rouge a eu lieu en l'honneur des 174 terrassonnés morts lors de la Grande Guerre et inscrit sur la stèle. 174 jeunes terrassonnés ont envoyé chacun un ballon qui portait leur nom et celui d'un poilu terrassonné. Cette cérémonie du 11 novembre 2018 à Terrasson s'est refermée à la salle des fêtes par une remise de médailles pour plusieurs porte-drapeaux.
avec toutes mes félicitations. Médaille de la ville et la médaille du centenaire. Voilà, voilà monsieur Lescure, ça c'est la médaille de la ville. Vous la connaissiez ? Oui, merci. Voilà. Et ça, c'est la médaille du centenaire. Avec toutes mes félicitations. J'y associe tous mes prédécesseurs. Oui. Et la médaille du centenaire. Merci. Avec toutes mes félicitations. Voilà, médaille de la ville. Médaille du centenaire et d'État, champion. Avec toutes mes félicitations. Merci encore. Et c'est la médaille de la ville. Oui. Et ça, c'est la médaille du centenaire. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci de l'attention que vous avez vis-à-vis des porte-drapeaux, parce que c'est rare de nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, il y a très longtemps que les maires, l'honneur, maintenant c'est à monsieur le maire et le conseil municipal, tous ces amis. Voilà, merci. Voilà. Merci. 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 Voilà, félicitations. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, je tiens à remercier l'ensemble des jeunes et des jeunes. Merci. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Merci encore.